shape of you. Hey tout le monde, c'est Chanel Thierry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Ça sera une toute nouvelle vidéo, mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Donc voilà, comme l'année dernière, petit disclaimer, je fais pas cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. Donc voilà, comme l'année dernière aussi, j'ai été gâtée, mais vraiment beaucoup. Du coup on va commencer avec le premier cadeau, un hibou en carton. Enfin, je le trouve trop mignon. Regardez comme il est trop beau. Sinon il y en avait d'autres, un éléphant, une licorne, un cactus. Mais l'hibou, moi aussi, c'était... Enfin, vraiment, j'ai un coup de cœur. Il y a aussi la licorne que j'aime bien et le cerf, mais je vais pas me plaindre parce que j'aime trop ce petit hibou. En plus, facile avec la notice. Voilà, donc pour moi qui ne suis pas douée, c'est des petits bouts de carton à détacher. Ça fait un petit hibou à la fin. Du coup, c'est pas mal. Ensuite, une figurine pop. Je ne connais pas du tout cette personne. Deva, je crois. Mais je la trouve trop mignonne. Enfin, je sais pas vous, mais je la trouve trop belle. 491, le numéro. Sinon il y a Brigitte, Farah, Reed, j'arrive même pas à dire les noms, mais voilà, il y en a plein là. Je la trouve vraiment belle, enfin je la connais pas du tout, mais trop mignonne. Ensuite j'ai eu des petits trucs pour le bain, des petites roses, j'adore ça, j'adore vraiment vraiment. En gros si tu mets dans le bain, ça se dissout, je trouve ça trop mignon. Et en plus ça sent ultra bon. Après j'ai eu des petits bijoux, donc histoire d'or. C'est une petite encre de bateau, je la trouve vraiment trop mignonne. En plus comme ça, ça me fera plusieurs autres bijoux. Parce que d'habitude je mets toujours les mêmes, donc ça change. La bijouterie. Oh, ah mais oui, un petit collier avec C comme Charline. Vous avez compris. Ensuite encore histoire d'or. Ça c'est des petites boucles d'oreilles, ça représente le 8 infini. Je sais pas trop si vous connaissez. Alors, oh ça, je suis trop contente. Ça m'intrigue, genre c'est un savon, un shampoing même, shampoing pour cheveux normaux. C'est vegan et ça représente un cannelet. Enfin, oui, un cannelet. Ça sent le chocolat. Et genre c'est tout doux. J'ai trop hâte d'y essayer, genre c'est trop... Je suis trop contente de ce cadeau, je le trouve hyper original. Et en plus, il y a un petit Z comme logo de marque, je trouve ça trop mignon. Cheveux normaux, chocolat, voilà. C'est la poudre de cacao bio, comme ceci. Et vraiment, ben, je sais pas, je trouve ça trop bien. Ah oui, ça c'est pour le bain aussi, j'ai toujours eu plein de trucs pour le bain. Ça c'est à mettre dans le bain, c'est des petites granules. Après je crois que ça devient gros, je sais pas ce que c'est. C'est à la rose, ce qui est sûr. C'est des perles de bain, pour deux bains, voilà. Je trouve ça trop bien, mais vraiment. Donc voilà. Des chaussettes. Mais pourquoi avoir pris des chaussettes, me diriez-vous? Elles sont détachées, ok. Ces chaussettes-là, parce que c'est mon nom de famille écrit dessus. En soi, c'est la marque a le même nom de famille que moi. Et du coup, on me l'a acheté. Comme ça, ça fait un petit truc. Voilà. En vrai, je les trouve trop belles. Enfin, je sais pas vous, mais elles sont trop cute. Petit bleu comme ça. J'adore. J'ai une petite carte d'anniversaire. Ici aussi, mais avec des petits sous dedans. Donc, j'ai eu 60 euros. Avec ces 60 euros, je pourrais m'acheter Yoshi Crafted World, bien sûr, avec d'autres trucs. Donc voilà, voilà, je ne vais rien dire. Petit ticket pour échanger le truc d'histoire. Et ensuite, j'ai eu deux jeux vidéo, My Time at Portia. Je l'adore, enfin, j'ai commencé un petit peu à y jouer ce matin. Genre 10 minutes. Je suis trop à fond. J'aime trop les graphismes, j'aime trop l'idée. Vraiment, il est trop bien. Donc voilà, je suis trop contente du jeu. C'est un jeu d'agriculture, d'artisanat. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs, il y a plein d'options, on peut faire plein de choses. Ensuite, Siberia 3, j'ai pas encore joué, je n'ai pas demandé ce jeu. De base, je voulais Yoshi, mais c'est pas non plus grave. Je vais voir si j'aime ce jeu. Après, au premier abord, c'est pas un jeu qui me correspond, mais peut-être qu'en fait, si, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je verrai bien. Donc, voilà. Et ensuite, après avoir eu tous ces cadeaux, franchement, je trouve que j'ai été quand même gâtée parce que j'ai moins de cadeaux que l'année dernière parce que je n'ai pas fêté avec mes copines. Avec mes copines, du coup, j'avais plus de cadeaux l'année dernière. Mais c'est pas non plus grave. Parce qu'en fait, mon anniversaire, c'était hier. J'ai mes cadeaux hier soir. Je filme le dimanche matin. La vidéo sort cet après-midi, 17h. Donc, c'est un peu speed. Ensuite, j'ai une boîte d'iPad. Non, je déconne. En vrai, j'ai eu l'iPad. Je suis trop contente. C'est un iPad Air. Voilà, il est ultra fin. Je vais vous faire voir. J'ai trop peur de le casser. Il est ultra grand. En rose, en plus. Genre, au rose toute ma vie. Trop, trop beau. Il est grand. Il est bien. Par rapport à ma main. Savoir que j'ai des grands doigts. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Quand même, c'est ultra grand par rapport à moi. Genre, ça fait plus que ma tête, c'est abusé. C'est le dernier iPad qui est sorti. De base, je devais avoir avec le clavier et le stylet. Mais le stylet et le clavier ne sont pas encore sortis parce que
L'iPad est sorti il y a pas longtemps, du coup c'est pas encore tout sorti, donc c'est pas grave. Donc voilà comment il se présente, genre 10h49, et là vous voyez bien un petit fond d'écran. La qualité elle est plutôt bien pour un iPad, je suis choquée. Attendez, la qualité elle est comme ça. Franchement c'est bien, enfin je sais pas, je suis choquée. Comme ça je pourrais faire mes petits montages vidéo avec. En plus j'aurai une nouvelle tablette parce que avant j'avais une tablette Samsung, mais elle a 5 ans. L'écran est complètement pété. Et elle fonctionne encore, hein, mais niveau espace de stockage, j'ai que dalle. Là au moins j'ai 256 Go, plus le cellulaire. Le cellulaire c'est pour mettre une carte SIM si je dis pas de bêtises. Du moins je crois. Donc voilà. Je le trouve vraiment trop beau, il est trop bien. Sinon normalement j'ai rien oublié. Normalement. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Sur ce, chat, mon, c'était Shine Cherise. Bisous bisous.